Oui, Oui, après, après, si si vous vous voulez, voulez, j'ai j'ai une une Warner Warner à à 8 000 $ qui 4 places, 5 coffres. Oui, moi je veux Monsieur, bien celle-ci. je vais parler chinois, s'il vous plaît, Arrêtez arrêtez vos vos bruits bruits HRP, HRP, merci. merci. GTRP, en ce moment tout le monde en parle, donc j'étais obligé de tester. C'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un GTA, tout simplement, en ligne. Et en gros, tu rencontres des vraies personnes. Et au lieu de juste bah, les voir et sans leur parler, là tu vas les entendre. Dès que tu t'approches d'eux, il y a ton micro qui s'active et leur micro qui s'active aussi. Donc vous comprenez, c'est très très drôle. Enfin, moi je trouve personnellement. Et du coup, dans la partie, il y a vraiment que des vrais joueurs. Il n'y a pas de bots. Il n'y a pas comme dans GTA où il y a plein de bots, des faux joueurs qui vous calculent même pas, qui foncent dans les murs. Et qui servent à rien en gros. Donc là, ça sera que des vrais joueurs qu'on pourra parler. En plus, ça sur Instagram, je vous ai demandé des petits défis justement que je pourrais faire avec les joueurs de GTA RP pour bien rigoler. Bien sûr, attention, je respecte cette communauté parce que c'est vraiment quelque chose de. Il y a vraiment des gros passionnés qui sont là-dessus. Avec les règles, ils sont très stricts. Donc je respecte, on va faire ça dans le respect. Juste, on va rigoler et même eux, je pense qu'ils vont passer un bon temps. Let's go! Allez, on appelle le frérot Clément et on commence. Clément, les gars, je vous mets sur Instagram. Allez le follow. Ça fait plaisir. GTA RP, c'est la première fois que je vais le faire. Et ça me gêne beaucoup parce que je sais pas pourquoi, Clément, dis-moi ce que t'en penses. Je trouve ça vraiment gênant d'aller voir les gens et leur parler comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Salut, mec. Ça va, man? Ça va et toi, mec? Ça va, on est là. Putain, il est stylé, donc, Timao de Paris, là. Ouais, il est pas mal. En plus, il joue ce soir. Ah non, ah bah non. Non. Alors, mec, ça par contre, je sais pas du tout. Ok, les gars, bon, on a retrouvé Clément, enfin. Et puis là, bah c'est parti les gars, on va faire du sale. Hein. Pourquoi j'ai mis. Y'a la police, y'a la police, y'a la police, arrête, arrête. C'est l'ambulance, gros, c'est la police. Vous êtes sur un trottoir là, vous savez. Ouais, c'est vrai que franchement, j'avoue que le conducteur il est pas très fort. Hein. Aïe, ma voiture, aïe, arrêtez, doucement. Pour... Elle sert à quoi cette batte de baseball? T'es fan de baseball? Ah, ok. Je croyais vraiment me baiser. Ah, j'ai pas compris, répète ta phrase s'il te plaît. Baiser ta mère. Y'a Gambi en carte, wesh. Wesh Gambi. Je vous ai demandé sur Instagram justement de nous donner des petits défis à faire sur GTA RP. Donc j'allais voir ce que vous m'avez demandé de faire. Ah oui, tu sais où je pourrais trouver une trottinette? Excuse-moi, est-ce que t'aurais une trottinette? Je cherche une trottinette électrique en fait. Non, désolé, j'ai pas de trottinette. Mais est-ce que ça existe dans le jeu, frérot? Non. S'il vous plaît, agent 47 en civil de la PG. Ah non, qu'est-ce qui se passe? C'est la police. Sur le côté, je suis en agent civil, je vais le battre. Je m'appelle Jean-Jean, va niquer tes morts. Quoi? Oh, Jean-Jean, t'es un gros trou du cul, gros méchant ce gars. Quoi? C'est quoi cette insulte? Il se barre en plus. Il se barre en plus. Les gars, je crois que eux, c'est des... C'est un gong. Des papillons. Ouais. T'es un papillon, quoi? Bah oui, je suis un papillon, c'est sûr. Ah ouais? D'accord, c'est juste pour savoir. Bon. En fait, je t'explique, les papillons, c'est les modos. C'est les gens qui... Pas une façon chelou, tu changes ta voix. Salut. Excuse-moi, juste, est-ce que, juste, petite question, reste là. En fait, je cherche à faire l'amour, est-ce que tu penses qu'on peut trouver ici? Je fasse le nom de ma mère. Tu veux monter avec nous? Non, t'inquiète. C'est une notion de place, on est trop con. Merde. Attention. Ça va, je te dérange pas? Cousin. Oh non, vous êtes des vrais beaux, vous êtes torse nu en plus, j'adore. T'es en plein de la haute là. Oh non, j'adore. Viens, on va voir les policiers, on leur demande... Ouais, c'est ici pour acheter la meth. Ah oui. C'est comme ça, bon. Ah, toi t'as fait quelque chose, toi. Toi t'as fait quelque chose. Toi, ça se voit, toi tu sors de la zone, toi. Non, j'ai rien fait. Arrête, t'es cramé. Regardez, là-bas, il y a un keuf, il se fait victime par tout le monde. Attends, qu'est-ce que tu vas faire? Là-bas, venez. Prends-moi la main. Bonjour. Bonjour. Bonjour le policier qui travaille jamais, qui fait jamais rien de sa vie. Le comico il est toujours fermé, bande de bons à rien. C'est pas très gentil de parler comme ça à un policier quand même. On voulait savoir, on cherche à acheter de la meth, où c'est qu'on pourrait... C'est bien, t'aimes bien troll toi? Pardon? T'aimes bien troll? Moi je vais vendre de la weed, comment? Non, arrêtez, c'est pas bien, arrêtez. Non, j'avoue c'est pas bien. Ah là. Bah tiens, j'étais en train de répondre. Non, je veux pas aller en prison moi. Ah bah si, tu vas y aller là. Non, le orange, il en sort depuis... Jean, viens là-bas, y'a notre ami qui s'attend. Oh, arrêtez les gars, il se barre, regarde. Attends, mais viens, on essaie d'aller en tôle, mais ça dure longtemps ou pas? Je crois que ça dure longtemps, frère. Ça va, tranquille? Ça va et toi? Je t'amuse bien. Oui, et toi? Ouais, ça code bait un peu là. Hein. J'ai vraiment rien dit. Mais... Non, bah non. Par contre, ton collègue là, Clément, là, par contre, toi, t'aimes bien, toi. Tu veux vendre de la weed, toi? Non, c'est pas lui, non, vraiment, je te jure, par contre, c'est celui qui était en moutarde. Non, mais moi, je vois quand vous parlez. Là, je sais que c'est toi, Anthony, qui me parle. Oui, exact. Me prenez pas pour un con, je sais. Non, justement, moi, je t'explique que le mec en moutarde, je te jure, c'est lui qui a dit, ouais, je vais vendre de la weed. Vraiment. Ouais.
Vraiment. Je vais prendre de la vide. Ok, pas de souci. Et... bah, le... c'est bien. T'inquiète, on a bien compris la leçon. Il y a un règlement ? Ah oui, il y a un règlement. Oui. Il faut aller à la mairie, c'est ça, pour le récupérer, peut-être un truc comme ça. Faut aller sur la radio de la ville. Mec, tu sais que vraiment, je te jure, mec, je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression d'être dans la vraie vie, me faire vraiment embrouiller par un keuf, gros. J'étais pas bien au début, je te jure, gros. Mec, tu verras, dans la vidéo, gros, ma tête, j'étais en flip total. Je te jure, je sais pas pourquoi, gros. J'ai vraiment rien dit. Yo, excuse-moi. Oh putain. Oh putain. Oh, ma voiture. Oh non, notre voiture. Oh, voleur. Oh le fils de. Oh merde, j'ai mis une patate. Oh, tu m'as patate, bâtard. C'est pas lui qui nous a volé notre caisse. Ah, mec. Waouh. C'est pas toi qui nous aurait volé notre caisse. Ah, mais c'est pas moi, les gars, désolé, mais c'est pas moi. Ah ouais. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Au pire, c'est toi, c'est pas grave. Ah bah ouais, carrément, là on vient d'arriver, je t'avoue que c'est un peu la hesse comme on est dans le milieu. Grave. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des plans, par exemple, la revente de mètres, Ah bah etc. Oui, totalement, c'est ce qu'on recherche. Vous avez combien sur vous, là? Là, on a 3000. Ça a l'air d'être un racketage, ça, non? Ah non, non, aucun rapport. Vous voyez, une voiture, elle fait des trucs pas très légales. Ah non, non, pour faire la pute, hein. Ah, non, on est pas de ce bord-là, monsieur. Monsieur, vous avez un beau dégradé, hein. Oui, c'est vrai qu'il est pas mal. Ouais, t'as vu? Là, surtout là, mais par contre, là, je crois qu'il y a un petit trou, là. Là. Ouais, je trouve que là... Et le coiffeur, il m'a raté. Ah, putain. Toi, là, tes contours, ils sont au lance-roquettes, tu vois? Oui, c'est vrai que mes contours, ils sont pas... Quelle marque de bol, lui, il a pris pour mettre ta tête, les contours? Il les a fait à Ikea. Salut. Salut, mec, ça va ou quoi? Ah ouais, attends, je me suis cassé la gueule, ça, mec. Par contre, tu me fais un peu peur avec ton flingue, là. Mais ça va mieux comme ça, chef. Ah, voilà, merci. J'avoue, j'avais un peu chaud, je te mens pas. Putain, ça... Oh non, on parlait tranquillement. Oh, je suis devenu fou, là. Oh là là, j'ai envie de sang. Non, pas moi, quand même. Bah rien, gros, je suis venu visiter un peu pour voir ce qui se passait ici et tout. C'est Delsor. Et là, ça capte plus, on est sous le pont, là. Bah, je sais pas si t'as noté 927 tiré. Dans le coffre, prenez ce qu'il y a dans le coffre, prenez 70 à chaque fois. Pétale véhicule. Quoi, sérieux? Vite, y'a un mec avec un gun derrière, un mec avec un gun, il tire. Attends, il m'a volé toute la mec, là. Oh, on s'est poursuivre. Venez. Ouais. Non, faut descendre là, descendez des escaliers. Attends, y'a le gars qui veut descendre. Descendez ici. Wow. On s'apprise de ouf. Je sens qu'on va se faire descendre, mec. Oh, y'a un passage secret et tout. Wow, c'est un délire. Wow, mec, il nous a fait découvrir une dinguerie. Mais là, on se croyait vraiment dans Breaking Bad. Appuyez sur eux, venez ici, appuyez sur eux. Et après, on va en mode. Il faut quoi, non? On va aller à la mettre dans un instant. Clément, viens voir. Les gars, on bouge. Prenez mon véhicule. Il est con ou quoi? Ah oui, c'est bon. Vas-y, gros, je peux partir. Par contre, il a un fusil, ouais, le monsieur. Le monsieur, il a un fusil. Pourquoi il a une arme? Attends, il va se faire descendre, notre pote, je crois, gros. Il va se faire descendre. Et on l'abandonne. Non, pas tout. Et on l'abandonne avec tout. Oh, ouais, c'était cool, il va croire que t'as essayé de le voler. Vas-y, attends, droite, attends. Là, attends, va à droite, avant le truc, voilà, vas-y. Tu te caches. Va tout à gauche. Il arrive à fond, gros, il est vraiment vénère. Stop, va t'en bouge plus, stop. Vas-y, il est parti, vas-y. Suis le pont tranquillement, fais genre, on a rien capté et tout. Merci beaucoup. Oh mec, je vais mourir. Oh, vous êtes dans le coma. Oh non, je suis dans le coma, frère. Oh non, pauvre vache, arrête la pauvre vache. Arrête, oh la pauvre, ouais, par contre. Oh, là les bugs. Arrête, gros, t'es un bâtard, la pauvre. Bâtard, arrête de faire ça, non mais je vais la défendre. Ah tu mens, Non. Non, t'es mort. Moi je suis au RSA, mec. Ah non, c'est toi. Et t'es comment cette voiture? Mais mec, je travaillais en fait au Coca-Cola, mais je sais pas ce qui s'est passé, ils ont tout enlevé. Oui. On vous aurait pas volé. Ça va là? Putain, le bâtard. Vous voulez de la beuh? On a de la beuh. Non, c'est nous qu'on vend ça. Ah bah non, nous on a ce qu'il faut, salut. Salut. Je peux pas conduire, gros, j'ai plus de mal à l'estomac. Vas-y si tu veux. Ah attends. Ah putain. Tu veux que je conduise ta place? Ça va les gars, vous avez mangé indien ou quoi? Ah c'est lui, je sais pas ce qu'il a mangé là, mais putain. Vas-y, je conduis. Gros, le tacos il est pas passé, je crois. Vas-y, bah je conduis parce que là t'as mangé là. Non putain, arrête. Ah ouais, toujours c'est chaud. Toujours une tape la honte, ce mec. Putain, abusé. Bonsoir messieurs, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, alors en fait, on chercherait acquérir une trottinette électrique. Nous ne vendons pas de ici, monsieur. Vous m'entendez? Oui, nous ne vendons pas de ici, monsieur. Ah, mince, oh non. Ah, vous vendez pas de trottinette électrique? Monsieur, s'il vous plaît.
Oui, mais après, si vous voulez, j'ai une Warner à 8000$ qui 4 places, 5 coffres. Oh. Oui, moi je veux celle-ci. Je vais parler chinois, s'il vous plaît, arrêtez vos bruits HRP, merci. Pourquoi je viens d'acheter cette merde 8000 balles. Ah, t'es solide sur les appuis. Ça va, bon. Vous avez été banni. Insulte ce serveur. Ah, t'as été banni carrément. Ouais, 3 jours. Non, 3 jours. Si jamais vous avez bien aimé cette vidéo, mettez un maximum de pouces bleus, on fera une deuxième partie. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas. Merci la team. Bisous. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps car j'ai besoin de mailles. J'ai beaucoup d'argent, je veux pas être sur la paille.